Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis auditrice interne chez Auchan Retail depuis novembre 2021. Et avant ça, j'ai eu un parcours plutôt classique, donc trois ans en commissariat aux comptes dans un cabinet, et un diplôme en école de commerce avec un double diplôme en comptabilité contrôle audit. Mon métier d'auditrice interne, c'est pour chaque mission, d'identifier tous les flux d'informations, de comprendre toutes les organisations et d'avoir tous les moyens pour identifier les risques associés à chaque processus. On fonctionne avec un planning de mission à l'année et pour chaque mission, on a des thèmes qui sont, qui peuvent être totalement différents. Ça va, par exemple, de la gestion de la paye aux achats de marchandises en passant par des audits 360, notamment en Côte d'Ivoire, puisque c'est le dernier pays qu'on a ouvert. Alors, ce qui me passionne dans l'audit, bien qu'on voit souvent l'audit comme, comme la police, c'est de pouvoir sécuriser l'entreprise et de contribuer à créer de la valeur ajoutée. Et c'est le cas finalement de tous les métiers liés au risque, comme le contrôle interne ou la compliance. À travers nos missions, on a une vision hyper transversale de l'entreprise et de tous les processus de l'entreprise et de tous les enjeux liés à ces process. Et puis, on revient voir les audités régulièrement pour challenger la mise en place des plans d'action suite à nos missions alors il faut rejoindre auchan pour le goût du challenge on a beaucoup d'autonomie dans nos métiers ce qui est, ce qui est très cool et c'est aussi la possibilité de participer à la transformation de l'entreprise. au delà de ça auchan c'est une entreprise qui, qui valorise et forme ses collaborateurs donc associé au fait que le métier d'auditeur permet de, de connaître l'entreprise et tous les métiers euh, c'est vraiment la possibilité de, de façonner sa carrière et de, de choisir le poste qu'on a envie de faire. Euh, et puis il y a la dimension internationale évidemment qui est, qui est vraiment cool aussi. on voyage beaucoup et j'aurais par exemple jamais cru me retrouver en, en Côte d'Ivoire à manger de fricassée d'escargot